Yo, what's up? Aujourd'hui, on vient changer le look encore une fois du Civic. Je vais probablement réinstaller le body kit. Je vais installer un miroir aussi au milieu. En ce moment, ça a de l'air stock, mais en tout cas. Fait que. Ouais. On va commencer par le miroir. Fait qu'en ce moment, on a un beau petit miroir stock avec des black eyes qui dépassent. Des pare-soleils que je vais être obligé d'enlever. Ouais. En tout cas. Ça me fait chier un peu parce que je m'en sers souvent dans le fond. Fait que j'ai bien hâte de voir si qu'est-ce que je vais faire avec ça. Là. Je cherchais comment enlever le miroir, tu sais, j'étais là avec un tournevis comme en dessous, un tournevis plat, puis là ça marchait pas trop. Puis là je m'en vais voir sur YouTube, le gars il arrive, il prend ça, mais POW! Ok. C'est genre la vis qui est comme tenue dans ça ici, puis genre. Je sais pas, tu sais, juste l'arracher. Fait que je me fendais le cul pour rien. C'est merveilleux, YouTube, comment tu peux trouver n'importe quoi. La miroir est installée, sauf que. Ça, c'est pas très très esthétique, là. C'est sûr que si j'en mettais ça ici, ce serait pas. Bon, c'est pas parfait, là, tu sais. Le mieux, ce serait de changer le tapis du plafond, mais. On en reparlera plus tard. Mais en tout cas, je pense que c'est moins pire si ça c'est là que s'il y a des gros trous dégueulasses de même. Fait que je pense que je vais réinstaller ça ici, là. Au minimum. Ça ici, j'ai goût de les enlever, mais en même temps, ça va sûrement faire des trous semblables à ça. Fait que je pense que je vais les laisser là. Fait que. Ouais. Et voilà. Enfin fini de fêter tout ça. On va juste rester peut-être une petite modification. Je vais. Copier le charamique parce que je trouvais ça vraiment trop dope quand j'ai vu ça. Il a mis des collants partout, genre en arrière de son petit miroir de drift de même. Puis là, ben, c'était quand même assez cute. Fait que je pense que je vais faire la même affaire. J'ai plein de collants qui traînent. Fait que. Checker le petit Civic rouge. L'épaisseur de glace, man, qui a coulé dessus. Pauvre Civic hatchback. Oh, pauvre Civic à ma blonde. Pauvre Shrek avec inspection. En tout cas. Tu sais, quand tu fais deux collants avec un seul collant. C'est parce que je voulais coller celle-là en arrière, mais. Ok, je suis turbo, mais j'ai pas de noce, là. Fait qu'au pire, le noce, va le mettre genre, qui te passe sur le miroir. Puis... Je vais coller ces deux nouveaux collants-là aussi, parce que je fouillais dans mes collants, puis j'ai trouvé ça, puis je me suis dit, ah ouais, moi je colle ça. Nice. Mes collants de l'année passée, ils n'ont pas trop aimé l'hiver. Celui-là, il est pas si pire, là. Mais celui de l'autre bord, je dirais qu'il a mangé une volée. Il reste juste le signe YouTube, en fait. Fait que je pense que je vais genre tout décoller ça. Puis je vais coller celui-là real quick. Après ça, j'installe mon body kit. Mais pour de vrai, dehors, on se gèle les burnes. Oh man, j'ai juste fait un bord parce que là, sérieux, mes doigts, là, c'est la mort, man. Fait que je coupe les deux tire-up de bumper. Je coupe les trois tire-up de bumper, j'installe mon body kit, rush, man, puis je m'en vais me réchauffer au lave-auto intérieur. Oh, pour de vrai, là, je suis off en tabarnak. Mes doigts vont tomber, man. Le fitment t'arrive pas trop super bien d'un côté non plus, mais là, comment essayer d'être précis, man, quand t'as pas de doigts, man. Fait que quand tu sérieux, ça fait bien trop frette. J'ai le goût de vous dire que je ferai pas d'autres vidéos jusqu'à temps qu'il fasse genre 30 degrés, mais en même temps, je sais que c'est pas vrai, fait que. Mais non, pour de vrai, là, taponner au froid, là, c'est tellement pas plaisant, là. J'étais curé. Il y a des journées de même, là, où ça me fait rage. J'ai oublié de retourner le miroir d'abord, on va faire ça tout de suite. Le petit look du miroir que ça donne avec plein de collants, je trouve ça quand même nice parce. Ben, parce que, là. Première fois, quand j'ai vu ça sur Charamix, j'étais genre, hein? C'est quoi ça? Puis là, j'ai comme fallu que je m'approche, puis je fasse comme ah, ok, ouais, c'est genre sur le miroir en dedans. Au début, je pensais que c'était dans le windshield ou je sais pas trop. En tout cas, bref. Bon, aller me réchauffer en dedans 5 minutes, le temps que le char réchauffe aussi, puis après ça, je m'en vais laver cette cochonnerie-là, parce qu'elle s'en vient quand même assez sale. Oh, ouais, elle est tout sale. Ma grosse vidange. Juste le bord de déquette qui est un peu propre. Là, ça paraît qu'il n'a pas connu l'hiver. Là. Moi,
mon cell était à 2% de batterie, fait que je me suis dit vite, faut que je filme, ben faut que je prenne des photos, j'ai pas le temps de filmer. Finalement, j'ai eu le temps de prendre des photos, je me suis dit, ah, je vais faire le tour en filmant, puis finalement, mon cell est mort. Ma caméra était genre toute, ben était genre foggée, là, quand il faisait chaud là-bas, fait que, ouais. Puis là, je me suis poussé de là, je suis venu au dépanneur à côté, pour l'essuyer. Ouais, ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Ben, pas tant que ça en même temps, mais quand même un peu. j'ai juste de l'installer pis Guillaume de crisser le cœur. Nice. Ouais. Finalement j'ai pas essuyé grand chose, je suis arrivé là pis c'était tout glacé, fait que... Ouais. Ben là j'étais curieux de savoir, mettons une fois sec là, s'il était plus ou moins bien lavé, parce que finalement... J'avais amené un éponge, puis je l'ai pas frotté, j'ai pas pris le temps. Il y avait des Mongols qui gueulaient, man. Puis là, ben, il y avait quand même gros du monde, fait que je me suis dit, je ferais pas chier avec ça. Ah, j'ai l'impression d'avoir le prêtre aux dents. L'histoire avec ça, c'est qu'on a deux petits problèmes. Premièrement, ben d'après moi, il est un peu plus long que la bumper d'origine. Fait que, ben dans le fond, quand je suis dans une côte, de même puis je descends, ben genre, le fait qu'il soit plus long, il va être genre, mettons, plus droppé, genre, tu sais, dans le bas de la côte. En tout cas, c'est minime là, mais en tout cas. Deuxièmement, justement, il est plus droppé, fait que du fait qu'il soit plus droppé, je vais plus frotter. Puis celle-là, il est pas vraiment flexible, tu sais, ça c'est du fibre, fait que. Ouais, tu sais, ma petite lippe de jardin, c'est bien drôle de la faire frotter. Ça aussi, c'est bien drôle de la faire frotter parce que c'est un body kit à 20$, mais. Mais ça, c'est moins durable, mettons. Tantôt, je sais plus trop de quoi je parlais, mais je disais que ça valait pas la peine, puis qu'on allait en reparler plus tard. Ben, dans le fond. Ouais, il y a une couple d'affaires que je veux faire là, sur le EK, mais que dans le fond, je me dis, bah, je le ferai pas parce que je le ferai sur le prochain Shell parce que je veux m'acheter un Shell, genre bientôt. Mais tu sais, bientôt, c'est relatif, là, parce que, bah, faut que j'attende que l'été arrive, puis ça se pourrait que je me ramasse un EG avant de me ramasser un EK, puis ça se pourrait aussi que je me ramasse un propulsion avant de me ramasser tout ça parce que là, je pense faire un ABM, puis je suis triste parce que je veux drifter. Fait que je sais pas encore. On verra bien, mais avant, de toute façon, faut que je fasse. La transmission du char à ma blonde, fait que. Puis, de toute façon, faut que j'attende qu'il fasse plus chaud, puis que la neige s'est fondue, parce que travailler au froid, c'est pas le fun. Puis en plus, je vous ai laissé tomber hier, parce que hier, il faisait encore plus frais. Puis là, je me suis dit, ah, je sors-tu vraiment? Qu'est-ce que je pourrais faire sur mon char? Puis là, tu sais, je regarde tout, qu'est-ce que je pourrais faire sur mon char, puis je suis comme, c'est tout des trop gros projets, là, pour faire ça, là, tu sais, mettons, là, fait que. Ouais, fait que fuck that. Fait que là, ça a été aujourd'hui. Puis là-bas, aujourd'hui, je me suis dit, ah, qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire des petites affaires, là, en dedans, dans le char, là, ça va être un peu moins pire. Fait que, ouais, c'est ça. En tout cas, un jour, l'été va arriver, les projets vont avancer. Mais en attendant, ça va être tout pour mon vidéo d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker et t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!